Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce lundi 22 février 2021, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le prix de Challant, première course de la Réunion 1, où 13 trotteurs âgés de 4 ans en découdront aux alentours de 13h50. Ce tournoi non européen s'adresse à de jeunes haches en devenir puisque n'ayant pas pris plus de 49 000 euros de gains depuis le début de leur carrière. Sur le parcours classique des 2700 mètres de la grande piste, la bataille fera rage entre les jeunes tricolores. Notons qu'un certain gitano pensionnaire de l'écurie Duval d'Estaing a tout de même remporté ce tournoi l'an passé, ce qui ouvrira de belles perspectives aux lauréats de l'édition 2021. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintet. En première position, nous retenons le numéro 10, Horace Dugoutier. Pour la première fois de sa carrière, il va se présenter déféré des 4 pieds, ce qui sera un énorme plus ici. À Hervé Langlois, son pilote, de jouer à ses commandes pour cette rentrée. En deuxième choix, le numéro 6, Hugo Speed. Pierre Pilarski est l'heureux propriétaire de ce cheval ayant un bel avenir devant lui. Son entourage décide de lui enlever les fers pour la première fois aujourd'hui et ce n'est assurément pas sans raison. En troisième choix, retrouvons le numéro 3, Hélo de Ligny. Déféré des 4 pieds pour la première fois de sa carrière lui aussi, il peut signer une troisième victoire de rang à l'attelage. En quatrième position viendra le numéro 12, Horatius Della. Sa classe ne fait aucun doute et il est clair qu'il a la pointure d'une telle épreuve en valeur pure. À Franck Ouvry, son entraîneur, pilote, de jouer à son sulky. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 4, Héroé Winner. Il a beaucoup de capacités mais ne le montre pas forcément. Jean-Michel Bazir ayant dû se fâcher le matin suite à ses dernières tentatives, attention à lui aujourd'hui car il aura une cote très amusante. Au sixième rang sera retenue la candidature du numéro 8, Hic Dumouchel. Bon finisseur avec l'aide d'Éric Raffin aujourd'hui, dans une course s'annonçant rythmée, il pourrait en ramasser plus d'un dans la phase finale. En avant-dernier choix, le numéro 13, Etty Dugoutier. Il a été préparé avec le plus grand soin par Jean-Michel Baudouin, son mentor, pour cet engagement. Théoriquement, il ne doit pas manquer sa cible en concluant dans les 5 premiers. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 5, Hop for Quick. Il se présentera déféré des postérieurs pour la première fois de sa carrière et piloté par un Gabriele Guerrermini, manquant que très peu ses cibles actuellement. En cas de non partant, le numéro 1, Hasard d'Érable, qui est toujours à l'arrivée lorsqu'il reste au trot, introduirait alors notre prono en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1 euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, samedi, Top Prono et Turf Sélection indiquaient de très gros trios lors des différentes réunions premium, dont un affichant notamment plus de 1000 euros. Pour vous abonner à Prono VIP, rien de plus simple, il vous suffit de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'infos complémentaires sur l'abonnement VIP, pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nous vous contacterons en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintet. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du prono de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintet et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois offrant un abonnement VIP turf-fr.com.